Bonjour et bienvenue sur Caligis TV. Je suis encore en compagnie de Sacha. Bonjour Sacha. Salut Tikam. Sachi Sacha. Sacha. Ça va. Et donc on était ensemble pour faire de nouveau une arène. Et donc du coup, alors tu veux jouer pour rigoler avec Valyra, tu veux jouer sur la chance avec Uther ou tu veux jouer pour la gagne avec Malfurion? C'est pas que pour rigoler Valyra non plus hein. Ouais, mais enfin... Moi, j'ai vu des stats. Oui. Disait que le voleur serait le, la classe. Ils sont pratiquement à tous 50%. Avec laquelle on gagne le plus. Mais... C'est qu'on gagne le plus ou le plus joué? Les stats. Je sais pas. Parce qu'on a regardé les mêmes stats, il me semble, mais je sais plus. Ouais, écoute, de toute façon, c'est ton arène, c'est toi qui choisis. Donc, la dernière fois, on avait fait un druide. Qui était bien. Et bah, du coup, on a choisi. 10-2. Donc on va faire une deuxième vidéo, on va demander, vous voulez Valyra ou Uther? Et on arrête là. Disons que franchement, après voilà, la gagne, c'est sûr que c'est pour moi c'est le druide. Après je comprends très bien que des fois on a envie de s'amuser et de jouer à autre chose. Hein. Mais il y a des, decks avec lesquels on peut faire beaucoup, on peut faire très mal. Pour moi par exemple, le guerrier de l'autre fois, il était plus fort que le druide. Et pourtant druide on est allé plus loin. Oui, parce qu'il est beau. En fait, le truc, c'est que le druide est beaucoup plus stable. C'est dans ses cartes. Ouais, mais le guerrier qu'on avait fait était pas mal. Hein. Non, mais vraiment... je dis pas le contraire. Mais le truc, si tu veux, c'est que le druide en lui-même, si tu veux, il est plus stable. Donc, du coup, qui dit plus stable dit un meilleur ratio finalement. On peut faire le voleur, la voleuse, pour essayer de voir un peu un truc un peu aggro, un peu contrôle, c'est et un peu légendaire. C'est... Ah, ben voilà. Choisi. Voilà, voilà c'est... donc. Normalement, ça marche comme ça. Alors, limite, tu vois, j'ai envie de te dire, Vertopo, il est pas mal ici. Avec un voleur, je veux dire. Vertopo est pas mal, ouais. C'est clair. Vertopo est pas mal, Alexstrasza est énormissime. Ouais, mais neuf, quoi. Souviens-toi du Jaraxxus qu'on avait eu une fois en arène avec... Tu t'en es jamais servi. Tu l'as eu deux fois dans la main, je crois. Bon, sur quelques matchs. T'as jamais pu le sortir ou t'as... Ah bah lui, je vais plus le... Si je le... Il est plus sortable que les autres. Ah bah voilà, mais c'est surtout ça, moi, que je vois. Il fait 5, il est sortable. Mais il fixe surtout... à 15 points de vie ou il fixe les nôtres à 15 points de vie. Donc, ça se discute. Tu sais, tu peux remonter un poil ton... Non, remarque, non, c'est bon. C'est moi, je recadrerai après. Au... Comme ça, non? Je peux pas ouais, faire. Ouais, je recadrerai parce qu'on va le prendre. Et du coup, je vais prendre... Grul. Arrête non, Alexstrasza, parce que si on est dans un deck aggro et qu'on a du mal à justement aller jusqu'au tour 9, et voilà. Moi, à mon avis, le tour 9, voilà. Moi, franchement, j'aurais pris l'autre parce qu'avec ton arme, si t'as un poison, ça peut te faire une 4-2. Ah, mais c'est pris. Maintenant, on peut plus revenir en arrière. Donc là, il faut une petite chouette pour avoir au moins un silence dans le deck. Une éviscération. Faire le deck tout seul, quoi. J'ai même pas le. Eh ben oui, mais je te le dis, moi. Hein. Là, il y a des trucs que tu peux pas passer à côté. Une éviscération, excuse-moi, oui, mais. Oui. Tellement malade. De toute façon, dans les 15 premières cartes, j'ai envie de te des dire. Des poisons mortels. Ah, ouais. Là, franchement. Ah, oh, putain, moi j'aurais fait un jeu avec Forgeron Malveillant et Capitaine Vertopo, je te dis. J'aurais fait mal. Alors, par contre, là, disparition, c'est pas. Pff, sinon, c'est pas faisable. Mais sans froid. C'est combo avec le Murloc qui fait piocher. Sans froid, c'est mortel. Hein. Ça fait. Mais. Les 15 premières cartes, je vais te laisser choisir. Hein. Écoute, c'est pareil, une trahison, c'est pas super pratique. Un défias, on est avec une pièce, c'est... Et puis ça fait toujours une créature. C'est bien, ça. Et un clair, c'est bien aussi. Donc les trois sont pas mal. Hein. Ouais. Oh, le défias, ça peut être ma priorité. Parce que tu peux vraiment gagner un contrôle de table en début de partie. Si t'as assez de tours, hein, bien sûr. Au moins, t'en as pas. Mais si t'as assez de tours. Hein. Bah c'est ça, hein, c'est qu'il faut. Il faut un petit truc à côté pour le faire comboter, mais le rock c'est ça. Il va te falloir plein de petites créatures. Là, c'est deux. Un ou deux, toi, tu vois, les créatures qu'il va falloir que tu prennes. Deux ou trois. On va faire peut-être le. Ouais, meneur des FIS peut faire la différence. Ouais, je vais mettre trois sorts pour comboter. et c'est une petite créature. Je crois que ça se discute pas ici. Ouais. Même si la nain sans brosseur est très bien. Un Chris.
C'est très bien. Un Chris ou un meneur des Fias? Un De meneur la des fiasses, c'est pioche pas ou un meneur des Fias? Alors moi, franchement, je te conseille le meneur des Fias s'il te faut de la créature. Bon, voilà, t'as pris le Chris. Oh, bon, de toute façon, là, le jeune maître brasseur aussi. Le guerrier branchi, c'est bien, il les charge, mais bon, ça reste une 2-1, quoi. Mais le berserk. Ouf. Comme t'as rien pour le faire enrager, donc bon. Ouais, si, tu me diras, tu vas me piocher le Chris, mais ça fait une carte, quoi. Ouais, mais il n'y a pas que ça, il y en a plein, hein. Il y a beaucoup de choses. Bon. Moi j'aurais pris le jeune maître brasseur. Il te faut des petites cartes pour comboter. Et... Après tu peux très bien te dire aussi que le banshee bleu il pourrait comboter avec le sang-froid. Hein. C'est. Avoir au moins une créature charge, c'est bien. Parce que ça, de toute façon, on aura pas mal de cris de guerre, de toute façon, des cris de guerre, des combos, Ah des. oui, moi ça. Donc, Bah, de toute façon, il te faut des Puis un petites jeune maître créatures. brasseur sur une Alexstrasza, c'est rigolo. Non, mais je plaisante, on va pas faire ça, mais. Faut On aura pas pour l'occasion. s'envisager. Hein. C'est vraiment pour la mettre DPU. Démolisseur, parce que je suis toujours fan. Et que Bah de les toute autres n'ont pas. façon, le Murloc, bof. Alors là, ça m'emmerde, par contre. Là c'est chiant parce que t'as La la lame chouette, on l'a d'assassin qui est déjà. géniale. Lame d'assassin on l'a déjà et attaque sournoise en début de partie pour comboter. Moi Ouais. franchement je prendrais l'attaque sournoise parce qu'il te faut un truc pour comboter. Bah moi aussi, hein. C'est Il un te faut petit du peu mieux. La comboter. lame d'assassin est super, hein, aussi. Hein. Bah ouais mais t'as pas de poison pour le moment. Bon, ben voilà. C'est pas Alors trop mal, là, ça. tu joues aggro Gnome Lépreux ou tu joues lame d'assassin un peu plus contrôle. Sprint est long, hein. Putain, mais tu te rends compte quand même que t'aurais pris Vertepeau et l'autre. T'aurais eu un putain de deck aggro. Bon, bref, de toute façon. On est à la 11e carte. Ah là, des bonnes cartes là. Oh, l'âme de la perdition, là. Ça se discute pas non plus. Ça te fait un ping à 1 ou Ah mais voire la à 2. maîtresse c'est super bien, hein. C'est Elle est super super. sympa, mais faut avoir un truc à côté, quoi. Ah j'aime bien. Moi, la lame de la perdition me tente beaucoup plus. Même si la maîtresse du déguisement est une jolie rousse. Bien foutu d'ailleurs, on voit putain les nichons qui dépassent quoi, c'est abominable sur l'illustration Normal quand ça. même. Non, elle est jolie, la maîtresse elle est jolie. Quoi. Mais non, non, franchement, la lame de la perdition, à mon avis. Le cobra aussi peut être sympa. Hein. Là, Ouais. c'est une créature, mais bon. Oh, attaque pernicieuse, un peu léger, mais ça peut Bah, un peu comboter. léger, mais ça peut comboter. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Ça peut comboter. Et là, il va te falloir du combo. Mais à mon avis, on va pas aller très loin avec ce deck. Bah, attaque pernicieuse, ça peut. On verra bien. Mais il faut de la crosse aussi. Il faut ça, c'est un Bah, bon. pff, moi j'aime pas le garde de lumière d'argent. Quand tu Là, l'as l'attaque posé, t'es pernicieuse. content. Bah, ouais, mais il te faut du combo, c'est toujours le même Hein. Ouais, bien truc. sûr. Bien sûr, bien sûr. Là, le raptor aussi, petite créature, il te faut, là, vu le deck que t'as, il faut que t'envoies au début, quoi. C'est. Oula. Ah, là, moi je prendrais le gnome pour avoir de la créature. Moi, s'il a pas de quoi la gérer, ça fait quand même 4 points de Faut prendre dégâts, un quoi. sprint si vraiment on est dans la galère. Ouais mais c'est trop long, c'est trop long, Ah c'est ouais, je sais trop long pour bien, un deck mais rogue. quand t'es dans la merde, t'es bien content de Oh piocher mais t'as 4 cartes. déjà un peu de pioche, c'est pas. Ouais, bien sûr, hein. Mais ça se discute hein, quand même. Bah écoute, alors, moi je dis le gnome lépreux ça te permet de comboter, ça Ah ben fait. voilà, je me Oh, disais une aussi. deuxième légendaire, pouah. Ouais mais là c'est vraiment de la légendaire de merde, hein, j'ai envie de te Ouais, dire. exactement. Bon, Noz dormu, on va la supprimer. Bon, Nosdormu, non, c'est trop gros, et puis en plus, honnêtement, elle est bidon. Bon, y a rien de particulier. C'est prétentiel. Supprétincelle, ça peut être rigolo, mais c'est vraiment un autre adversaire aléatoire, donc faut soit le jouer quand toi t'as que toi qui as des créatures, soit. J'aime bien. Je transforme un serviteur aléatoire en soit en. Donc en fait, c'est transforme un serviteur aléatoire en quelque chose d'aléatoire. Oui, non, mais ça fait beaucoup d'aléatoires. Moi, franchement, je suis malheureux, Oui. mais je te dirais la bête. La bête, ça fait 9-7 pour 6, quoi. 7 points de Ouais, dégâts, si non, tu perds comme j'y pensais ça. aussi. Hein. C'est. Parce que Supprétincelle avant, tu vois, ça aurait été Il y le a une best. 3-3 en face, mais. Ouais. Bon, Chris, c'est très bien. Ah ouais, moi j'aurais pris l'elfe, tu vois, pour comboter. Enfin, pas le Bombardier. bombardier. Ah, le bombardier. Oh, Ah, bombardier. oh. Oh, une Pardon. troisième légendaire. Bon, tu vas perdre, c'est obligé. Ah C'est oui, non, mais là on quasiment va se faire sûr. exploser. C'est une arène de fou parce que t'as trois légendaires. Mais Bah, bien donc, sûr. comment on rappelle quand même que Sacha a énormément de chance en arène. La preuve, hein, trois légendaires. Mais par contre, il n'a aucune chance avec les boosters. Et ben là, tu vois, le problème, c'est que en arène, franchement, Onyxia, elle est géniale. Mais l'ardeur peut être géniale aussi parce que ça te fait popper des Ah, 2-2. Baron Guedon est monstrueux, hein. Oui, mais non, non, Baron Godon est casse-gueule avec un rogue. Hein, vraiment. Surtout que t'as que des petites créatures à côté. Ouais, je sais, mais moi, il m'en faut. Là, franchement, à mon avis, ça se discute entre Onyxia et l'ardeur. Maintenant,
L'Ardeur, c'est un peu plus rapide. J'aime pas Onyxia, moi. Et Onyxia, le truc, c'est que en fin de partie, c'est. J'aime pas trop Bon, Onyxia. bah alors l'Ardeur. Ah, le dissimulé peut être sympa avec l'Ardeur, justement. Le maître de culte, ça te ferait de la pioche, vu que t'as que des petites créatures. Et la 3-1, ça te fait une charge qui peut marcher avec sang-froid. Autrement dit, les trois cartes sont vraiment bien. Je regarde des pioches, donc j'ai deux pioches, sûr. Bah, de toute façon, à mon avis, il faut. Deux Ouais, pioches. c'est malheureux, mais il te faut plus de la créature ou quelque chose qui défend tes créatures. Donc, de toute façon, ouais, on sera bien au même. Rechange Et. bien aussi, hein. Ça fait mal, hein. Oui, ça fait mal. La Mais 3-1, elle est vraiment bien. j'ai pas trop de pioches et ça me. Ouais, mais là, encore une Ça va être fois. si. Mais si j'ai beaucoup de créatures à mettre, ça va. Je vais être vite, vite à Ouais, non, court. tout à fait. Dans ce cas-là, moi, franchement, je te conseillerais Clair du Soleil Brisé. Pourquoi? Bah, attaque sournoise est excellente, hein, on l'a déjà dit, on en a déjà une. Mais il faut quelque chose pour buffer tes créatures, parce que là, elles ont vraiment pâti, hein, toutes tes créatures. Oh, oui. Bon, là c'est pas mal. Bah là, de toute façon, C'est à des moins cartes écuyère simples. d'argent, je trouve que c'est un. Ah putain, mais c'est trois bonnes cartes. Parce qu'écuyère d'argent au début, si t'as le sang-froid dans la main, tu fais un Bah, carnage. ça combat super bien, et puis ça reste une super carte. Ça Lament te Tarnum, ça te fait de heal, la ça peut heal quelque pioche. chose, et ça c'est de la pioche. Donc les Voilà. trois sont très très bien. Après, Voilà. on a très, on Bah, va dire, limité pour la pioche. Si on a vraiment n'en avait pas, on pourrait n'importe quel gnome. bah l'écuyère d'argent, ce qui est bien aussi, c'est qu'elle fait 1, tu vois, donc tu peux comboter dans tous les sens, hein. Ouais, mais il me faut des Encore créatures bien. un petit peu plus, résistantes. Ouais, bah la 3-3, de toute façon, est excellente aussi. Ouais. Bon. Ah. Alors, l'assommer, ça peut être bien, parce que comme ça, tu vires une. Un gros taunt. On peut virer des grottons. Et c'est peut-être Enfin, pas tu mal, le vires hein. au moins une On va fois. avoir des difficultés à virer des grottons, hein. Ah Même oui, bah avec trois ça. légendaires. Ouais, non, mais c'est un deck à 3 légendaires qui fait 0-3, tu vois. C'est moche, quoi. Ouais, parce que c'est pas des légendaires de fou, hein. Bah. Bah, l'Extraza. Mais bon. Bah, attends, attends, attends. Enfin, ouais. Le matelot, là, franchement, ça s'envisage. T'es en rogue, t'auras forcément une arme. Bah, c'est le mieux comparé aux deux autres. Après, c'est Parce vrai que. qu'un Furie des Vents combiné à un sang-froid, ça Ouais, fait mais il restera pas ton long-voyant. Il va se faire un. violer directement, quoi. Ah, ok, Et tu peux pas Docteur laisser Voodoo, ça. franchement, deux points de vie, c'est pas. Oh, non, mais non, mais. Ah, c'est pas mal ça. Petit golem. Bah, Golem, ouais, je pense que Ouais, ça se petit golem. discute pas trop. Un Ah, assassinat. bah. Ouais, mais le problème, c'est que soit tu joues vraiment en début de partie prophète, ça peut être pas mal aussi. Ouais, mais j'ai pas trop Et l'assassiner, c'est vrai de. que c'est. T'as rien Ah, pour te débarrasser des grosses, quoi. Allez, voilà. Senjin ou chasseuse de tranche-bauge. j'ai pas de taunt, hein. Donc on va prendre un petit taunt, elle est très très bien. Il y a un pas de l'ombre, Un pas de un l'ombre, meneur. ça peut être marrant. J'aime Parce pas qu'on a. trop en arène. Ouais, bah, ouais, t'as deux jeux de maître brasseur déjà aussi pour remonter. Hein. Vaut mieux prendre une créature de Meneur, toute façon. une ghoul, c'est bien, ça gonfle, hein. Ça gonfle, Ça ça gonfle, gonfle, ça gonfle. mais ouais, 3 points de vie, quoi. Ça fait une 2-3 pour 3. Ah, c'est pour ça, c'est pas mal. Ah, commandant d'argent, je pense que là, tu vas pas beaucoup te soigner et que t'as pas beaucoup de secrets, on va dire. Ouais, j'ai pas Même si beaucoup ça de fait une secrets, grosse non. créature. Bon, Ouais, bah c'est un ça fait un deck. deck. Ouais. Voilà, on va voir. À mon avis, ouais. C'est chaud. Mais putain, mais 3 légendaires, quoi. Rien que pour Comme ça, tu diraient vois, la certaines reine est déjà bien belle. personnes, ouais, c'est ça. Comme diraient certaines personnes, c'est un jeu, de toute façon, c'est que de la chance, de toute façon. Arrête, arrête, il m'a gonflé, lui. J'ai des pneus. Ouais, c'est sûr, c'est de la bataille. C'est pour ça d'ailleurs que t'as tout le temps les mêmes qui sont derniers. Et puis c'est pour ça que le mec en question est rang 20 et que je suis. Allez, je spoil, tant pis, je suis rang 5, tu vois. C'est que de la chance en fait. Oh, t'as pas la pièce. Ah si, t'as la pièce. Regarde-moi ce tour 1 magnifique que tu Ouais, fais. moi j'aime beaucoup aussi. L'assommer un petit peu late. Ouais, l'assommer non. Par contre, est-ce que tu gardes pour ton tour 3 le. Ah bah tu gardes tout, toi? Ouais, c'est pas Ah mal, ouais, hein. moi j'aurais quand même viré la goule mangeuse de chair, tu vois, parce que t'as quand même d'autres créatures, mais bon, on va bien voir. Bah, c'est un assassiné que j'ai eu, donc c'est vrai que c'est un peu moins. Mais le tour 1, ouais, je vais le faire, hein, parce que c'est un. Ah oui, non, mais ça c'est obligé, c'est le tour parfait, hein, faut arrêter de déconner, c'est le tour parfait. En arène en plus, On sait c'est pas ce très qu'il très fait. dur à sortir. Il Tu hésite à jouer quelque joues chose. Uzuma Paladin, Uzuma quoi. Uzama Ouais, Paladin. Usama, ouais. On va y pouvoir comprendre. The Dead Terrorist. Non, c'est quoi? C'est Arkhmed. Arkhmed, le Dead Terrorist. Bon, là, t'as un tour très. Voilà, très puissant. Très puissant. Ah oui, bah Tour là. 2, larme. La Mais il sera. 3-2, généralement. Ce Bah, sera on en pris de. arène quand même.
ce Il pourrait sera te faire très tourbillon dommage. exec aussi, si tu vas par là. J'ai beaucoup de tour 2, hein, tu vois, là j'ai encore un autre tour 4 après encore. Bah, ouais, il faudrait vraiment que tu chopes un tour 2 là. Mais je sais pas J'ai si plein de c'est. 1, 2, 3, j'en ai plein. Non, ce qui serait marrant, c'est que tu chopes le jeune maître brasseur. Honnêtement. Ça serait marrant, Ça serait j'avoue. bien. Mais bon. Allez, carrément. D'accord, donc on joue contre quelqu'un de... Ouais, mais il prend son temps pour réfléchir. Donc, la hache de Bon, guerre, comme on disait, tu elle réfléchis date pas de quand tu as 2000. une hache de guerre, tu n'es pas... Puis t'es un guerrier, tu réfléchis pas normalement. Ouais, enfin. Bon, déjà, même si t'as le jeune maître brasseur, tu pourras pas le remonter. Tant pis. Ah, bah moi je ferai mon arme, tu vois. Comme ça, tu as, pour le prochain tour, t'as le matelot et tu lui mets quand même 3 points de dégâts. T'as pas d'autre tour 2 de toute façon. Donc, autant te faire un bon tour 3. Hein. Bah oui, mais au tour 3, Le problème, c'est qu'au je tour pourrais pas prochain, il poser tue la ça. 2-1, quoi. Ouais, mais c'est pas grave. Enfin, il va tuer une de tes 2. Hein. Parce que au tour prochain, c'est que je pourrais rien poser encore au tour 2. Je suis d'accord, dans l'optique de garder une créature, je suis d'accord. Maintenant, s'il te sort une créature et qu'il t'en tue une, c'est Bah, sûr que tu seras pas content d'avoir il une en tue. créature sur table. Mais bon. C'est juste que j'aimerais pas qu'il me tue les deux, c'est tout. Mais c'est Ah, un un point. enchaînement, et puis voilà, c'est réglé. Hein. Enchaînement, enfin, il y a plein de choses, hein. Plein de Un choses. tourbillon, un enchaînement. Mais bon, s'il fait ça, il sort pas de créature aussi. Et c'est vrai que c'est chiant, parce que là, il faudrait qu'il tue pas de créature en fait. On peut rêver, hein. Il faudrait qu'il tue pas de créature pour que tu puisses poser la goule. Ou le clerc. Bon, déjà, il n'en tue qu'une. Il sort pas de créature. À moins qu'il ait un tourbillon. Parce que ça coûte 1, je crois. Oui, tout à fait. Donc, non. Il tue le matelot. Bon, de toute façon, le matelot ou l'autre, ça revient au même. Alors là, est-ce que tu joues pour gonfler ta créature ou est-ce que tu joues la goule? 3-2, 2-3. Bah 3, 2, 3, 2, ça fait que tu te mets un peu à l'abri du tourbillon ou alors. J'ai envie de garder un peu plus. Ah bon, on va voir J'ai envie d'avoir 2-3-2. là. Bah voilà, fais. Hop. Il galère déjà avec une 2-1, une 3-2. Enfin, il a galéré avec 2, 2-1, alors avec 2, 3, 2. Exactement. Parce que vous voyez, en fait, là, si j'avais laissé ma 2-1, si j'avais mis mon arme, du coup, il m'aurait pété ma 2-1. Et j'aurais rien eu derrière. Alors Oh, là, par contre, un t'as rien taunt. pour comboter. Un taunt qui pourra pas tuer au premier abord. Ouais, puis ça te laisse du temps, et puis c'est une 2-7, hein, c'est pas. Et 6 points de vie, hein. 6 points de dégâts, ça fait quand même un peu mal, hein. 5. Ah oui, non, 6 points de. Oui, d'accord, tu as fait 6 points de dégâts. Moi je Ouais. pensais à la 3-5. Il faut qu'il rajoute 3 points de dégâts quand même pour la tuer. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis un assassiné, si vraiment il a boost, il fait des choses avec, est-ce que c'est possible, S'il hein? fait des choses avec. Bah avec Non, ou sa alors il va te 2-7. sortir un gros taunt que tu vas pouvoir silence et balancer ta lame derrière. Et tu lui fais déjà 9 points de dégâts s'il tue pas de créature. Mine de rien, ça va quand même vite. Hein. 6, 9, 11, 13. Ça Si dépend. vraiment Ouais, mais dans il faut, il faudrait l'optique. quelque chose pour la faire comboter aussi. C'est ça le Ouais, non, problème. d'accord, mais t'imagines quand même que ça ferait 13. Ah, c'est sûr que si t'as un sang-froid qui tue pas de créature, ça peut faire mal au tour prochain. Hein. Bon, là, il y a un assassiné qui va passer. Attends, ça dépend ce que tu pioches, parce que tu peux le tuer Oui. là. Alors. On a dit 13, de toute façon. 3, 6, 9. 9, ouais, de toute façon, ça. Non, mais un assassiné, là, ça, c'est Oui, non, très bien. l'assassiné, ça s'envisage. Le truc, c'est qu'après, s'il te sort un gros taunt. Mais bon, au moins, la 2-4, t'as 3-3 résiste encore et tu peux lui faire 9 points de dégâts. J'ai envie de dire, il a 8, quoi. C'est-à-dire que là, Il est bon. Tu sais que dans à la. 8. S'il sort pas un sort, tu le tues au prochain tour à 9, quoi. Au pire des cas, avec ta lame de la Ah perdition, là, on c'est est une le tour chose. 5 et ça lui a fait très 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 mal. Après, bon, c'est un guerrier, quoi. Prendre guerrier en arène, comme on l'a déjà dit, c'est risqué. Ok. Fabricant d'armure, donc tu vas se mettre un peu d'armure, c'est bien. Ça ne sauve pas. Bah, ouais. Pour le moment, pas de taunt, pas de. Tourbillon de lame ferait 5 points d'armure, ça serait rigolo. Mais Non, ça ne non, non, c'est sauverait que pas. tes créatures, ça lui mettrait 2 points d'armure. Non, non. Ah, 2 points d'armure, Ah ah, je suis sûr et non, certain. non, t'as raison. Il prendrait Je croyais que plus. c'était tout le monde. Le truc, c'est que s'il fait tourbillon de lame, là, il
perds sa créature, bon tu perds ton taunt, tu perds quand même 3 points de dégâts, et qui fait 2 points d'armure, donc il se retrouve à 11. Là par contre, ça devient un peu plus chiant. Je le tue, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, T'as 11? 7, 8, 9, 10. Il me semble que t'as 10, hein, ouais, c'est pas. Et encore, faut faire comboter la lame. Bon, c'est facile. Bah oui, faire comboter la lame. De toute façon, tu peux. Alors, est-ce que tu préfères silence à 1-3 ou dégager ça à 1-3? Ah oui, non, là, ça va commencer à... Si tu le tues pas, ça va commencer à devenir chiant. Là. 3 et 3, 1, 2, 3, 6 4, 5, et 4, 6. 10. Ah, tu le mets à 2. Donc, tu peux pas. Ça s'envisage, hein. Ça s'envisage, ou alors tu sors la goule. Tu sors la goule, tu lui tues sa 3-1 qui met de l'armure, et après tu tues la 2-3 et tu récupères une grosse goule. Et avec soit la lame de perdition, soit autre chose, tu fais des dégâts. Allez. Waouh, tu joues super aggro. J'ai 30 points de vie, hein. Oui, je suis d'accord. Et il est à 1, ce qui veut dire qu'il va être à 3 au prochain tour. À 3, ouais, il te restera Je peut-être vois une pas comment il créature. peut gérer. Bah, il suffit qu'il ait un sort dans la main. Hein. Comment il peut gérer? Il suffit qu'il Ouais. ait un sort dans la main, quoi. Et il y en a des sorts. Hein. Mes créatures passent pas en dessous d'un point de vie, par exemple. Allez, allez, c'est pas une épique ça? Non, c'est une rare. Faut l'avoir, Crinière. hein. Ouais, c'est une rare. Et le truc, c'est que s'il a ça, par contre. Il se refait plein de points d'armure et. Oh putain, il a en plus. Donc du coup, il peut te nettoyer ta table et. C'est vachement là. Et surtout, il va faire plein de points d'armure, quoi. C'est surtout ça qui est chiant. Ouais, enfin même pas, ça le c'est je peux Bah ouais, non, si. c'est pas grave. Avec la 1-3, il tue une de tes 3-1, il récupère un point d'armure et il garde ça à 1. Et avec la 2-3, il va dans tes deux autres créatures. Ah non, même pas, il te restera peut-être une créature. Ouais, ok, il est à 2. Non, 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 il reste pas, c'est une furie des vents. Ah bah non, oui, il va me Oui, rester. justement, c'est une tuerie des vents. Mais il y a. Le truc, c'est qu'il doit tuer ta 4-2, il va te rester la 3. Hein. Et il sera fait 2 points d'armure, je pense. Quoique, je sais pas si. Je sais pas s'il va faire un troisième point d'armure. De toute façon, il va se faire un. Il va se faire de l'armure avec son truc, son pouvoir. Il est obligé. Enfin, s'il fait pas ça, c'est une connerie. D'accord, ok. Et 2 points d'armure. Et il se met à 5. Sauf que, bah, tu le tues. Bien joué. Voilà, première partie, ma foi. Attends, faut que tu la fasses comboter ou. Attends. Oui, bah, de toute façon, oui, 3 et 3, 6. J'avais plein de solutions, hein. Oui, non, là, c'est clair que t'avais plein de solutions. Le deck, ma foi, a bien fonctionné pour cette première partie. C'était plutôt pas mal. Bon, bah écoutez, j'espère que ce début d'arène vous a plu, les gens, hein, parce que mine de rien, ça fracasse. Avec un peu de malchance en face, c'était Ouais, du bon. viol, hein. Ah là, c'était du viol, mais bon, on va voir comment ça tourne pour le reste. Et bah écoutez, donc j'espère que ça vous a plu. Laissez des commentaires ou des questions dans les commentaires ou des remarques ou ce que vous voulez. Et puis sinon, on vous dit à la prochaine pour la suite de l'arène. Et Ciao, surtout, ciao! pas de rage. Oui, Vous aussi, vous pouvez avoir trouvé les journaux. bon. Allez, à la Allez, salut! prochaine!